J'adore les gens ouais. qui sont très fair play, très bonnards et tout. Je pense qu'il a plus de monde. Bien joué ça, hein. Salaud, voilà, comme ça. Est-ce que tu peux 4-4 Fly et Carlito? Oh, il faut jouer les Dross là. Ah, jouer les Dross, on teste une nouvelle carte. Après tout, paye 10 PEV pour voir si ça marche. Eh, interdit. Alors, ça se passe comment si je paye? Pouf. Ah, le petit token qui fait gagner des PEV, pourquoi pas? Allez, rejoue-moi ta saga là et je chie. Ah, ça serait drôle. Hein. Saga, je chie. Tu chies toi aussi? Ah, putain. Paye 10. Ah, il peut pas, putain. C'est honteux. Hein. Et bon. C'était bien? Ah, j'ai coupé la cam. T'as tiré le rideau quand même. Oui, je tire toujours le rideau. Voilà, bruit de prout. Je suis le démon d'avoir perdu. Allez, vas-y, encore une autre. En fait, c'est un deck qui va vite. Ouais, il va vite en besogne. On peut perdre une seconde. Je sens Laurie. Ah, voilà. Je savais que j'avais le... Je savais que je savais, mais je ne savais pas ce que c'était. Et il nous pète un bastion, du coup. Tu vois, t'as ouvert un tiroir de mon cerveau que j'avais laissé fermer depuis bien longtemps. Et qui ne devait jamais se réouvrir. Putain. Tu sais que je jalouse la pancine de Dumbledore. Ouais. Mais très très fort. J'ai l'impression que tu m'avais lâché une punchline et cherché la chanson, mais... Non. Toi aussi, tu l'es jalouse de la pancine. Ça va? Ça va, ping. Ça va, ping. Et ben, on a gagné. Tu peux bien sacrifier avec le prédateur direct, hein? Ouais, ouais. Allez, où? Il prend même 2 de plus, tu vois, de over damage. Oh, j'ai eu un peu peur de la perte, celle-là, cela dit. Oui, quand il fait... Parce que c'est ce qu'ils font, hein, les joueurs de... Bah, il est en train de perdre la partie, il fait... Comment ça, je suis en train de perdre là, cette mana, dégage. Et je vais chercher 3 cartes et je les lance, enfin. Non, ça ne suffit pas parfois. Je les déteste. S'il te plaît, Tim, enfin. Écoute, je deviens fou. On peut faire un quiz magic, si tu veux. Vas-y. Tu veux me faire deviner cette carte? Ouais, c'est... Je l'ai vu du coup. En plus, j'ai revu Harry Potter. C'est con, ça marche pas ce que je veux dire. Eh oui, pas du tout. En plus, Dumbledore, à la fin de chaque film, il est là en mode quoi, Gryffondor est deuxième? Mais pour la bravoure et le courage de Harry, 50 points pour Gryffondor. Parce qu'il faut du courage. Je sais plus. 50 points. Ça n'a aucun sens, quoi. Le mieux, c'est quand il dit 10 points pour Neville parce qu'il a un nom rigolo. Il le dit, ça. C'est dans les bloopers, mais il le dit. C'est vrai qu'il le dit, parce que moi je m'en souviens pas. Et pourtant, j'ai revu la trilogie à Noël. Val, il s'appelle Long du Bas. C'est vrai que chaque fois. Genre, moi je suis prof, hein, imaginons. Je fais l'appel à Poudlard. À chaque fois que je tombe sur Long du Bas, je fais. C'est obligé. C'est obligé. Ah, Dumbledore, c'est un vendu, on est d'accord, Adilis. Moi j'ai vu ça, j'aurais été Serpentard, je l'aurais attendu au détour d'un couloir. Oh, j'aurais putain. Proposé un tête sur le parvis. Instant. Je lui range ta baguette. On va régler ça. Tête. Relève tes manches. On va voir comment tu t'en sors sans magie. Hein, il est bon. Hein, il n'y a rien à dire. Hein. Est-ce que vous voulez qu'on détective le détective? C'est là. En dessous d'audio. Au-dessus de politique et de confidentialité. Il est mort. C'est la fin de cette vidéo. Du coup, le deck marche bien normalement. Jusque-là, il n'a pas marché. Si vous rencontrez que des télestompes qui jouent des decks de sale type, hein, on le rappelle. C'était mon bébé. Ça ne. Il a cassé mon bébé. Ça ne marchera que peu. Ils ont cassé mon bébé. Pouce bleu, commentaire, partagez vos demandes. Si vous j'ai mis tout mon studio, amour. Twitter, tous mes Facebook, biais cognitifs Discord, sont partis dans ce deck-là. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle pas magie. De la belle magie. D'ailleurs, je vais mettre un giganta entre nous. Ce qui nous sépare, c'est un giganta. C'est un giganta. C'est quand même vénère, un giganta. Ou une Krasis. Oh, cache la Krasis. Enlève-la. Non, faut que j'enlève ça là. Ah, cache-la, Val. Lève les bras. Oh. Ah, mais mes biceps sont trop petits pour le cacher. Il fallait pousser. Hop, ah, là, un petit peu délâché. Putain, il aurait fait comme ça là, il aurait caché la carte entier.
Là, je sais pas s'il stream d'ailleurs, Thibaut Inchep, mais il doit se mettre en tout petit pour pas cacher le jeu. Ah bah oui. Et là, on passe. Et Nocturne. Et Kilou. Tu proposes Yorion, on te met une petite dispute, pof comme ça avec un petite montée de coude. Il veut faire Yorion sur apparition qui exile bête de quête. Non. Spoiler, on a rien à foutre. Comme ça. Je prends de l'élan, Val. Laisse épais, vas-y, curve-le. Curve-le, curve-le. Merde. Ah. Voilà. La curve n'était pas propre sur le coup. Oh, putain, j'y jette à la gueule, moi. Ouais. Tu vois. Putain, c'est contré, ça. Désolé, Jimmy The End, mais le match d'avant. C'est pas contre toi. Voilà, c'est trop. Prends Yorion, play faible. Il sent pas les couilles de ce qu'on fait. Il sent pas les couilles, le mec. Tu gardes ça pour un mammouth au cas où? Bah, Angerus, hein, écoute. Tant pis. En créature. Comme c'est Ivra, c'est. Est-ce qu'on peut tourner? Genre, est-ce que là, notre main, elle tourne autour de Vras? Tourne-t-on? Bah, on a juste à pas jouer Angerus, quoi. Ce que je viens de faire là. Et pas grave. Non. Ouais, top deck mammouth, passage, cancrom lake, il a perdu. Putain, je te déteste là, si Palovin, je te déteste. J'attaque avec tout. Non. En vrai, s'il bloque, tu fais franchement lambeau, wrecked. Hein. Ouais, il bloque avec juste son mur. Non, mais si jamais il faisait le mauvais. Et bloc. Là, passe. Ah, passe. On va aller au bout avec la bête. Les tours de passe. Les... Et nous, la dame de cœur. Oh putain. Regarde, on lui remet une nouvelle montée de coude là, maintenant. Le coude, il est en train de monter tout doucement là. Ah, toi, tu le montes au-dessus du crâne. Comme et ça. La tête qui fait ça aussi, tu mets pour un accompagner. Coco. Oh oui, c'est un coco. Tu mets un énorme coco. Un cocoude. Putain. T'imagines, tu prends un coco par Kozilek, tu te prends un coco Zilek, enfoncé dans le sol. Instance. Oh, disparu. Il est où? Ouais, disparu. Il a pris un coup, il est mort. On sait plus. La plus belle magie, c'est de l'élixir cette vidéo. Et là, par contre, le tour d'après. Je te lui curve le crop ça comme ça. Ouh ouh le boomerang ouh authentique, comme ça là. Mec, t'as fait un effet, il est ouf. Tu curves très très bien. Ouais, mais t'as une bonne sensibilité pour curver, cela dit. Hop là, un point. Mais... Ah, je t'es parti sur l'autre écran. Attention, hein, parce que là, il faut pas cliquer. Hein. Je curve beaucoup mieux à gauche, beaucoup moins bien à gauche qu'à droite. Mais parce qu'il faut curver à deux mains à gauche. Comme au tennis. Hop, comme ça. Oh putain. Le débardeur, Richardan. Bah, genre ouais. le vêtement. Je pense. Ou alors il débarde. Ouais, je pas débarder. Bah c'est tuer débarde. Mais vous avez débarde là, moi je débarde. Mec, si c'est deux dernières cartes en main, c'est ça. Non, gros, j'attends. On a provoqué notre chance. Hein. Et justement, il faut pas tout gâcher. T'as fait un beau gâteau, c'est la première fois que tu réussis. Et toi tu et dis, moi, oh je mets un gros coup de poing dedans là, viens. Mais non, on mange le gâteau. Tu fais un beau château de cartes, tu vois. Tu mets des gros coups de poing dedans. Dès que Val il fait un truc beau, il met des coups de poing dedans. Ben oui. Le plaisir de tout voir être détruit. Non. Il y en a qui disent ça m'intéresse ce que vous dites, mais pas trop, parce qu'après vous dites de la merde. Slam et ben là, vous pouvez mettre cette vidéo m'intéresse, mais je m'en fous. Ouais. Ben oui. Curve-le. Curve-moi ça, gros. Mais fais-moi la plus je belle. Je vais prendre deux pebbles. Je cache une carte en main. Vas-y, vas-y. Fais-moi la plus belle curve du Kanto, genre t'es quarterback du Kansai et tu affrontes en finale le meilleur club de la région du Kanto. Hot, hot. Ah, il a été un peu nerf, tu vois. Moi, j'ai pris un rebond, j'ai pris un coin. Ouais, ça va, il y a le cornerback, il a un peu gêné ton receveur, mais ça passe. J'ai mis dans le casque. On est en mode touchdown, par contre, lui, il casse les couilles. Bon, ça met un petit peu le grand. Il va faire memory lapse, on va faire commandement, et il va chialer, il va chier même. Là, tu fous l'attaque, il est mort. Hein. C'est vrai. Oh, il cache ses cartes. Bah, on s'en fout. Ça nous fait rire depuis qu'on joue ensemble en boutique, le brainstorm en réponse à saisie. Cachez-vous les cartes. Ne. Quel énorme enfoiré, quoi. Il est bon. Il les a bien cachés. Pour il nous montre qu'il y a une main vide après. Tu fais pas commandement? Non. Super, ouais. Il fallait, là. Allez, parle-moi comme ça encore une fois, tu vas voir. Allez, un point. Il fallait commandement, là. Je sais pas, j'avais envie de lancer en ce moment. Double blockers. C'est pas mal, mais ça ne sera pas suffisant, je crois. Il bloque ça, une 2-1, il est mort. Ouais, ouais. Chez moi. Bah, voilà. Chez moi aussi, ça tombe bien. Ok, vas-y, concède la dernière, on passe au gameplay nique. Non. Je ne ferai pas ça. Nous allons gagner cette alors, guerre. Alors, choc, parce qu'il a des points de vie. Aïe, 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 aïe. Objectivement, c'est juste une bonne carte. Bah, bien sûr, bien sûr. Je vais voir cette eau qui traîne là depuis hier. Je vais vous dire si elle est croupie. Pas mal. Bah t'en as bu tout à l'heure, elle avait pas recoupé. Par contre, il y a des petits bateaux dedans.
Ça, c'est mon lave-vaisselle qui lave pas super bien, mais c'est pas très ça, grave. Ça, c'est l'eau de mon lave-vaisselle. J'adore. Un peu citron, là.